Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Du coup, vous avez certainement dû voir une vidéo il n'y a pas très longtemps sur du coup une première toile que j'avais achetée pendant l'anniversaire de Dac. Et du coup, là, c'est la deuxième que j'ai achetée. Et celle-ci, j'ai trop hâte de la voir parce que celle-ci, pour le coup, je crois que c'est vraiment une nouveauté et elle est trop belle. Donc, j'ai hâte de la voir en vrai. Donc, on va pas attendre plus longtemps. Je vous ai même pas montré sur l'unboxing d'avant, mais bon, vous avez vu le dessin, hein, zut. Ouais, du coup, je vous avais pas montré la boîte là sur l'unboxing d'avant, mais bon, vous avez l'habitude si vous me suivez souvent. Donc, DAC, voilà, on a un super packaging. Là, c'est parce que c'est un diamant carré, sinon ce serait rond si c'était des diamants ronds. Voilà. Allez, on tarde pas parce que j'ai trop envie de voir cette toile-là qui me fait genre trop envie. Et en plus, je crois que dedans, voilà, il y a le nouveau toolkit. Voilà ce qui différencie une ancienne toile d'une nouvelle toile. Donc, je pense vraiment que la toile d'avant, on nous a fait croire que c'était une ancienne toile, une nouvelle toile, mais c'est pas une nouvelle toile. Je pense que c'était une toile qu'ils avaient déjà en stock et qu'ils n'avaient pas sorti, ou en tout cas qu'ils avaient peut-être sorti avant et qu'ils n'ont pas ressorti. Parce que là, on est vraiment sur un nouveau toolkit. Donc, on ouvre la toile. J'aimerais bien. Voilà. Hop. Le papier. Donc, ouais, on sent qu'il y a une légère différence avec la toile. Ouais, elle est quand même douce, hein. Ouais, elle est quand même douce. Elle est quand même douce. Alors, le toolkit. Celui-là, par contre, pour le coup, on va l'ouvrir. Parce que c'est un nouveau toolkit. Donc, je trouve ça quand même intéressant de le découvrir. Alors. Donc, nous avons un sachet avec des sachets. Donc, ce qui change, vous avez vu, de l'ancien toolkit, c'est que les sachets sont dans des sachets bien rangés. On a des multiplaceurs de 1, 2, 4 et 1, 2, 7. Voilà. Les petits pains de colle rose, pareil, sont rentrés maintenant dans une petite boîte en forme de cœur. Ça, c'est top. C'est super sympa. On a toujours la pince. Oh, je suis déçue, ils font des pinces roses et là j'ai une pince noire, nulle. Bon, un peu déçue, je voulais la pince rose, c'est pas grave, c'est la même chose, tu me dirais, mais elle est rose. Bon, alors du coup, maintenant je crois que c'est écrit Diamond Art Club, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes pinces, si je vous dis pas de bêtises. On a un stylet, du coup, maintenant il change de couleur en fonction de la toile, c'est aléatoire, donc là c'est rose avec un squishy violet. On a la barquette qui est de meilleure facture que ce qu'il y avait avant, et elle est plus grande, donc peut-être qu'elle me plaira plus que celle d'avant, parce qu'avant j'avais du mal, je la trouvais trop petite. Donc là, elle est transparente, donc il y a un bouchon aussi pour éviter, je vais éviter de le perdre, que les diamants ne partent quand on secoue, et du coup elle est pailletée, je pense que vous voyez, transparente, pailletée. Donc voilà, et elle est beaucoup plus solide que celle qu'il y avait avant. Et donc dans les nouveautés en plus que ce qu'on n'avait pas du tout avant, on a un petit washi. Donc là c'est un petit washi à fleurs, il est sympa. Moi j'aurais pas choisi ça si j'avais dû acheter du washi, donc ça me sert, mais ça sert toujours. Et on a un super aimant, voilà. Bel aimant, il est vraiment de très bonne qualité. Ouais, c'est vraiment un joli aimant. Voilà. Et bah écoutez, je vais ranger dedans les access. Hop. Et hop. Donc ça, c'était pour le toolkit. Et maintenant, du coup, on est venu là quand même, pas que pour le toolkit. Ah, moi, elle est plus grande que celle que j'avais tout à l'heure. Ah, ils ont changé également leur petit step by step. Mais bon, à l'intérieur, je pense qu'il y a les mêmes infos. Hein. C'est juste qu'ils ont changé le format. Voilà.
Et donc on a les diamants, et quand on voit les couleurs, j'ai trop hâte parce que moi j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée, donc autant vous dire que je suis trop contente. Et donc on a combien de AB? On en a 4, donc 4 AB, 1, 2, 3, 4, donc tiens, je vais rouvrir le sachet comme la dernière fois en espérant pouvoir vous le montrer sans se déballer. Alors, on a le blanc, comme d'hab, on a le bleu que vous voyez là. Et il en manque deux. Ah, là je crois. Là il y a le rose. Voilà. Et à côté il y a le marron. Voilà, donc ça c'est les 4 AB dans ce super kit. Voilà, je vous mets ça au côté et attention, on est parti. Attention, attention. Oh là là, elle est trop belle. Oh, j'adore. Et voilà. Toudou. Je l'adore. Elle est trop belle. Puis alors, c'est tout à fait mes couleurs, tout à fait mon style. On est sur de la petite sirène. Voilà. Tout ce qui est rapport avec l'océan, j'adore. Les couleurs bleues et le bleu et le rose ensemble, je trouve que ça va super bien. Ça match de fou. Donc voilà, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Donc c'est la Daughter of the Sea. Donc la fille de l'océan. Elle fait 51 par 71 et c'est de l'artiste Mystic Art Mirrors. Voilà. Donc elle est très très belle. Je vous montre encore une fois les symboles. Vous voyez, c'est super bien imprimé. Ça colle de fou. Ça colle très bien. Il y a 43 couleurs, 4 AB. Et du coup, on va regarder où sont les AB. Donc on a du 1, donc c'est l'espèce de marron. On sent dans ses bijoux, dans les boucles d'oreilles, là. Également dans... Je vais essayer de vous relever un peu. Ses bijoux ici, aussi là-haut dans sa couronne. Donc là, il y a le AB. Après, il y a du 2, donc je suppose que c'est dans ses cheveux. Ouais, donc dans ses cheveux, il y a du 2 partout dans ses cheveux. Ouais, c'est bien parsemé le 2. Ok, et on a du coup du rose aussi, donc c'est le 3. Donc dans la pieuvre, il y en a. Ouais, il y en a là. Il y en a dans les tentacules. Ouais, là aussi, dans ces tentacules, il y en a. Il y en a. Ouais, que dans la pieuvre. C'est vraiment dans la pieuvre, parce que j'en ai même pas dans son bijou en haut. Donc, c'est que dans la petite pieuvre ici, là. Et le 4, il y en a un peu partout, parce que je crois que j'ai vu deux paquets, donc à mon avis, c'est un peu partout. Donc, tout autour de la pieuvre, il y a du 4. Dans les cheveux, il y a du 4. Là, il y a du 4. Autour de la pieuvre encore, autour des coquillages, là dans les coquillages, il y a du 4. Donc voilà, il y a du 4 un petit peu partout. Autour de son bijou, il y a du 4. Voilà. Bah écoutez, oh, je la trouve trop belle. Elle est trop trop belle. En fait, là, ce qui me gêne, là, c'est que toutes les commandes, toutes mes unboxings arrivent. Donc les commandes que j'ai faites là dernièrement dans ma fringale d'achat. J'ai tout envie de les commencer. Donc c'est très 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 problématique. C'est-à-dire que la Cara Art, j'ai envie de la commencer. Les deux toiles d'ac, j'ai envie de les commencer. Les toiles Oraloa qui vont arriver, autant vous dire que j'ai envie de les commencer aussi. Voilà, donc ça va être compliqué de se décider. Va bien falloir, hein? Parce que ça va être compliqué. Mais celle-là, j'adore. Et puis en plus, on pourrait se dire, bon, on peut faire en fonction de la période de la saison. Le problème, c'est que toutes sont dans la saison. Celle-ci, on est en plein dans l'été coloré. La Cara Art aussi, elle est bleu, rose, ultra peps, ultra coloré. Les deux toiles de Oraloa sont des deux toiles océan, Miss Océan, Tortue Totem. Donc autant vous dire que ce ne sont que des toiles de saison. Donc voilà, je ne peux même pas me décider en me disant ah, celle-ci elle fait plus été que hiver, donc autant la faire là. Je ne peux même pas. Donc voilà, c'est pas grave. Je vous montre la petite feuille de route pour que vous voyez bien le dessin. Trop belle. Elle est sublime. Je l'adore. Vraiment très très belle. Donc on a. Et du coup, toujours
les petits stickers qui sont prédécoupés pour pouvoir coller ça. Voilà ce que je peux vous dire, je crois vous avoir tout dit. Comme d'habitude, vous aurez le prix en dessous parce que je ne sais plus là de tête combien je l'ai payé. Il y aura également du coup le prix avec la réduction, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait un code promo pour l'anniversaire, donc je l'ai payé moins cher que ce qu'elle vaut. Voilà. Écoutez, je crois vous avoir tout dit. Ouais. Je crois vous avoir tout dit. J'ai un peu peur là, les petits trucs rouges, là, je sais pas trop ce que c'est. Ah sinon, sur le dessin, elle a des. Ouais. Non, c'est bon. Sur le dessin, elle a des bonnes traces rouges, donc ça ne me gêne pas. Voilà. Écoutez, en fait, je fais tarder, c'est parce que j'ai pas envie de la refermer. Elle est trop belle. Mais il va falloir. Donc, du coup, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez craqué pour une toile d'ac pendant cet anniversaire. Je pense que oui. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!